Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. On va faire le tour de la cage de Tito. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve tout de suite après l'intro. Voici la cage de Tito. Donc c'est une Freddy de Zoomalia. Donc ici il y a l'ouverture. Voilà. Donc là il a un tuyau de plomberie qui est accroché avec des câbles de serrage qui va jusqu'à son étage. Voilà. Là il a un Spoutnik. Là il a une sorte d'échelle en corne. Là c'est un hamac. Alors ensuite il y a un tuyau qui va jusqu'au premier étage et qui va au rez-de-chaussée. Donc là je viens de changer sa cage, donc il a un dry bed sur le fond, donc des balles, donc une balle distributrice, une balle à grelot, des bâtons de kiwi à ronger, des bâtonnets de foin que je lui ai donné pour qu'il fasse ses dents, une échelle en bois et cordes. Là, une roue de 30,5 cm. Ici, il y a le biberon. Et ici, c'est un jouet que je renouvelle tous les jours. Donc, tous les jours, il a un jouet différent. Donc là, c'est un jouet comme ça. Il adore ça. Donc voilà, pour qu'il prenne sa nourriture. Et comme vous voyez, il y a le bac à litière que j'ai pas changé cette semaine avec tout plein de conneries dedans qu'il met. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire en me disant le modèle de votre cage pour vos rats, ce que vous avez pensé de l'aménagement de la cage de Tito. N'hésitez pas à me laisser des conseils, bien évidemment. Je suis pas professionnelle. Je fais des erreurs, forcément. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me motiver à continuer, vous abonner à la chaîne et partager à vos amis pour me faire connaître. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut !